qui Ça se parle. lance. Ok. Ça se lance. Ah non, Alors. c'est un Xelor triste. Punaise, j'ai cru surtout que c'était un Enu, ouais. Non, il a pas de Non, barbe. no joke, no joke. Regarde un petit peu de loin, t'as l'impression que t'as la. Tu sais, c'est l'Enutrophe avec la barbe qui remonte sur les côtés. Ah ouais, un petit peu. Bon, bref. C'est pas grave. Du coup, c'est dit Oh, Xel Red PA et SRAM Feu Marteau Possédé. Hop, ça c'est fait, on passe à la suite. Du côté du Yop, on est sur un mode. Oh! Un mode haut? C'est un mode feu. Ah, un mode haut. Okay. Non, c'est un Il mode y en a feu moins 3 distance quand avec. même. Attends, il a 116 d'esquive là. 100, il avait 120 d'esquive. Ouais, Il s'est 120 pris en moins d'esquive et 3. 105 red PA. 105 esquive PA, ouais. Il Du s'est côté pris de en moins l'énergie. 3. Ouais, c'est de la surpuissante parce que j'ai vraiment besoin de te détailler ça en plus. J'en ai Du marre côté de ce jeu. l'upper, par contre, on est sur un upper air qui va clairement être là pour coller des surcharges. On le voit déjà avec la propagation. Tranquillement, un propa qui pose un état air sur le Xelor. Et du côté de l'Enyaripsa, on est sur un mode. Plutôt curieux là. On dirait un peu dans le même style que le mode du Yop. Mais le Yop a des restes qui sont bien identifiables. Mais sur l'Enyaripsa, je suis un peu plus sceptique. On dirait un mode terre en fait, mais un terre no crit. Bref, ouais, on verra. On verra, on verra. Tac. Avec un Muldo. D'ailleurs, Muldo Le Yop pour le Yop et Lenny. Ouais, c'est pour les esquives. Le est. Yop, c'est Ça a probablement pour les 30 esquives PAPM d'un coup. Ok, alors on a mis le bouclier temporel sur le Sadie. Ça va faire des trucs bizarres. Et le Yop, du coup, qui a que Faire 3 des trucs de perks. Zelf. C'est un peu compliqué. Bon, du coup, je pense pas que de toute façon il aurait. Non, je pense que de toute façon il aurait pas rush pour placer de l'héros. Non, bah l'épée destrue a que 3 PO, alors 4 en réalité avec la zone, mais ça reste assez limité quoi. Alors la divine. Fait des gros dopus sur son upper, on essaye déjà d'abandonner. Non, je déconne. Ok, la brume directement qui est placée. Bon, bah écoute, J'ai cherché on peut mon peut-être aller coussin. voir l'autre, peut-être aller voir l'autre demi-finale pendant ce temps. Alors, la brume qui est placée. Pause commune. Disparu. Ah oui. Le comploteur, ok. On va préparer un tour méprise tap-tap. Non, on va juste essayer d'aller tacler et voilà, et bloquer le. Juste on met la pesanteur sur le jeu. Voilà. Alors, l'Enyaripsa, galvanisant, vas-y. Ça alors, un Oh, galvanisant. dingue. C'est fou ça. Incroyable. Mode abnégation directement sur ces deux mates. Ça va être une compo assez offensive quand même hein, du côté de Ghost. Clairement pas là pour trier des lentilles. On a bien vu que la compo adverse avait de la temporisation. Donc d'ailleurs, on n'a pas de. Si, on a quand même double de Makoro quand même du côté de Framdiavis. Ouais, je pense qu'on joue un peu. On va attendre un petit peu d'où la brume. Hein. Clairement, cette brume n'était pas forcément nécessaire là. Ah là là, mais tu sais bien que tout ce qui n'est pas nécessaire est indispensable. Ok, ça balance des rempotages et tout, ça met des arbres. Et on a invoqué un Groot. Le Groot, c'est celui qui pousse, c'est ça? Il peut pousser le peur? Ou juste il va infecter? Je sais pas, on va voir. Il est pas terre, Lenny. Non, ce qui tu as dit qu'il était feu, non? Non, j'ai dit que j'étais pas sûr de son mode. Ok. Et j'en sais rien pour l'Enyaripsa pour le moment. Ça ressemble à un mode terre en fait avec logis. Non, c'est des bots. Pas, non, pas le mode terre, merde, putain. Mode feu avec le Reus plutôt et le Stalak. Ça débuffe le peur mage. Bonjour, je suis un poil à la bourre. Oui, T'as juste à t'en j'en vivre, sais allez, on rien. était deux. C'est Jura. Alors, petite propaille. Pas très pratique la fiche, pourquoi pas très pratique? C'est la première fois qu'on dit ça, je crois. Ok, ça clean l'arbre. Bref, du coup on va directement clean l'arbre, hop, on avait toujours le Xelor hein, qui était disponible. On a 4 runes sur le terrain, alors en réalité il y en a une qui va disparaître directement au prochain tour, ce qui nous fera 3 runes pour la surcharge derrière, ce qui devrait être relativement tranquille pour la suite.
histoire de toujours punir sur la surcharge. Mais bon, de toute manière, la compo adverse a tout intérêt à juste temporiser. Il y a une sacrifiée qui est en fond de map. Une synchro. Une synchro, il y a des, Domakuro qui se chargent. Non, mais c'est vraiment bien la brume, franchement, bon sort. Ah, il a fait du moins 1 quand même. Il a tapé 1. Ça sera sur ses stats de fin de combat. Ça. Alors, le Yop. Ok, sentence, on ne trouve personne. Tac, et on recule. La sentence, ouais, bon, bah, ça, de toute manière, ils ont juste à temporiser le temps de la brume. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de temporis, avril, ça a été annoncé. Temporis rétro. Avril prochain. Alors, piste de dérive, on va juste essayer de perdre les gens un peu dans la brume. C'est tristoun comme début de combat là. Bah, c'est de la brume hein. Non mais c'est bon, la brume non, plus qu'un tour. Non, pas ce soir non. non. Plus qu'un tour de brume, c'est bon, on est bientôt à la fin. Ah non, c'était même pas pour perdre les gens dans la brume, les pièges, c'était juste pour repousser le. Dommage le Galmat. Hein. Bah du coup ouais c'était. Pas fou. Ça aurait peut-être valu le coup de tempo le Galva avec une brume T1. Mais tu crois qu'il a fait quoi là? Il a mis sa brume au T1 Kishido justement. Non mais justement, c'est Lenny Ripsa joue après le SRAM. Ah oui, donc Lenny savait qu'il y avait déjà la brume au moment où il a mis son Galva. Il a juste placé son Galva comme ça. C'était à mon avis un petit truc de réflexe. Ouais, non, c'était dans l'autre sens la phrase. J'ai compris la phrase dans l'autre sens, effectivement. Ouais. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein. Pour l'instant, on attend surtout qu'il se passe quelque chose. On est quand même en 16-6 hein, sur le set. Il a 17-6, pardon. Il n'y a pas de voir un moins 450. Et ça replace des armes. Bon, je suis sûr qu'il y a une ligne de chat qui n'est pas affichée, mais bon, bref. Et la folle qui est placée. La même aussi, Givre. La même aussi. Ok, directement l'agacement. Ce qui représente bien notre état. C'est quoi le tableau des PF là, actuellement, du coup, on a From the Abyss contre Thunder. Et de l'autre côté, on a Ghost contre. Merde, Espoo. Voilà. Et donc, nous, on va essayer de suivre le maximum de cette demi-finale et on va essayer de prendre des petits bouts de l'autre demi-finale à côté, entre temps, entre chaque match, etc. Genre là, maintenant, vu que bah, ils sont en pause, on peut directement passer voir l'autre match. Et, ça, c'est la petite technique aussi. Ouais, le petit piège répu. Non, le petit piège répu qui empêche la création. Ok, il a quand même trouvé. C'était quoi? Le cadran, ok. Double synchro. Ouais, alors tu places pas la sacrifiée aussi facilement que la synchro quand même. Hein. En vrai? Non, c'est vrai que le Xelor joue après, donc. Non. Mais il est en 16-10 ce Xelor, qu'est-ce qu'il va faire? Les ralentissements. Ah, il profite de la zone comme retrait, c'est plutôt pas mal. C'est. Non mais c'est pas mal, je trouve. Lenny qui a 52 d'esquive, il esquivait plus que le Peur Mage hein, qui a 87. Écoute, c'est pas facile la vie, ok? Hein? Non, en vrai, ils ont esquivé la même chose. Non? Le peur a pris plus de retrait, non? Parce que le. Ah oui, mais il y a peut-être plus de sorts. Il y avait des zones avec le Yop. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en gros, il y a Chiquita qui a pris un ralentissement à moins 1. Shark qui a pris un sablier à moins 1. Ah oui, non, et le peur qui a pris moins 2 et qui a repris moins 2 sur le ralento. Ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. Et Sharklaw qui a ensuite esquivé moins 1 au ralento. Ok, ça marche. La vie, c'est pas du salami, exactement.
Non, non, j'ai un truc important à régler. Ah, il n'y a plus la brume. Ouais, et du coup, il y a les animations en boucle. Voilà. C'est vrai, oui, oui, il joue. Attends, tac, 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 que je vérifie. Ouais, c'est vrai, il a vraiment fait zéro dégâts. Je sais pas. Ça a l'air d'être le build malus dommage à base de rouleau à Hermine et enfin de double à Hermine, je pense. Il a tapé sur qui? Je testerai vu les repos réfix. Il a tapé sur toute l'équipe adverse. Il a tapé sur tout le monde, il n'y a pas de réfix ni rien. Non, il n'y a pas de réfix. Non, mais c'est pas qu'il n'y a pas de réfix, c'est il a tapé, il n'a pas tapé. Il n'y a pas eu de ligne de dégâts dans le chat. Ouais, il n'y a pas eu la ligne, c'est même pas du moins 0. Ça veut dire qu'il est naturellement en dégâts. Ouais, c'est le mode Hermine. Il est naturellement en malus de dégâts. Il reste un petit bout de cadran, ça serait pas mal de tomber. Voilà, la famille. La CPA. Ok, l'impartial. L'Enirid Sail, il aime bien. J'adore ce spell. Parce que même si ça clean les poupées et tout, c'est plutôt pas mal. C'est exactement ça, Quenta. C'est juste que j'étais en train de réfléchir. C'est le mode double Hermine. De toute manière, si c'est pas Punch qui les fait, ce sera moi qui les ferai les stuff de ce sort. Donc les matchs qu'on suivra, en tout cas, auront leur stuff. Ceux de ce soir, on va pas repasser sur tous ceux du PvP. Non, il y a trop de matchs sur le PvP. Alors, le petit arbre. 8-10 matchs, ouais. Petit arbre deviendra grand, ouais. Allez, le poison de proxy, on a chopé Lenny, ouais. Hop, la petite bloqueuse derrière. Et pile les PM pour aller chercher Stenia et pour le choper à la gorge. Par contre, on a toujours pas mis de malédiction vaudou du côté du Sadi, on fait toujours pas de dégâts. On attend le Domakoro. Non, il y a le Domakoro. Et White Teams. Et White Teams. Heureusement que la circuit a pas du retrait PM en plus autour de la bloqueuse. Non, non, pourquoi j'ai dit ça, Yvon? Oh, ça va être pris pour une idée. Non. Non, 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 ne faites pas ça, Crocus. Lâche ce honneur. Non, c'est un up en plus. Lâche cette souris. Lâche cette souris. Ouais, il y a eu un solide up de l'arbre feuillu. Maintenant, ça veut dire que tous les sorts qui sont censés poser un arbre derrière, ou du coup replanter, retransformer, etc., posent des arbres feuillus quand tu as sélectionné la variante. Donc ça veut dire que si par exemple tu joues arbre feuillu, tu poses ton Groot, à partir de l'arbre feuillu, bah, une fois que ton Groot est mort, ça se retransforme en arbre, et bah ça se retransforme en arbre feuillu directement. C'est pareil avec rempotage, c'est pareil avec les poupées, c'est pareil avec le tréant, bref, avec tous les sorts qui sont censés générer des arbres, va empoisonner aussi. Est-ce que tu vois la synchro du Xelor qui grossit et la synchro du Sadida qui grossit aussi là, et qui s'avance? Alors, le Xelor il en a marre, il vient dans le coin adverse. Et quand il en a marre, et ben, il y a colère de Yop. Non, c'est pas ça. Non, il y a Malabar. Ouais. Ok. Tac. Alors, ouais, bah, l'arbre feuillu a pris un giga up, il est vraiment devenu très solide maintenant. Est-ce qu'on va mettre de l'héros sur le Xel? Parce que c'est débile de focus le Xel, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il pourra pas les focus le Sadi, il pourra pas les focus le Sadi. Est-ce que... Bon. Moi, je m'attendais à un team, mais c'est vrai que ça fonctionne aussi. Et il prend la zone, du coup, ça recline le cadran. Destruit 2, ça clean la... Oui, oui, c'est ça. Et, ça. Et 26% d'érosion sur Sadi et Sram, c'est ça. Et on va directement retourner au cac du Xelor ensuite pour prendre les PB. Ça, c'est drôle. Ah non, les PB, c'est le Dorigami. Salut Twips. C'est le Dorigami, il a tapé. Ah non, le Dorigami, oui, parce que c'est la fin. Okay. Parce qu'il a tué le cadran. Ok, ça fait des bons dégâts sur ce Yop. Et ça vole de l'intel aussi. C'est un truc à noter. Mais attends. En parlant d'intel, là, moi je veux voir cet ennemi là. Il met des claques, hein. Il a 15 PA. Ouais, bah faut pas oublier que le mot impartial, il a pris un up en fait à la dernière mise à jour maintenant qu'il recrit. Sauf que depuis qu'il recrit, en gros, quand ils avaient viré le crit de l'impartial, ils avaient mis ses dégâts normaux, ses dégâts critiques en dégâts normaux. Maintenant qu'ils ont remis le crit, ils ont pas remis comme avant les dégâts normaux comme ça. Non, ils ont juste rajouté un crit. Donc ils ont repris en se calquant sur les dégâts de base. Ce qui est un peu fort. 360. Non, mais il a pas crit. Bouclier reste distance et 45% feu, c'est bon. Oh, le moins 3. Oh, le moins 3 qui passe sur le Sadi. Le moins 3 sur Sadi, ça c'est bon. Oui, il sera un peu via Blancoli, ouais. Et merci beaucoup. Oui, l'intelligence, c'est un yup. Merci beaucoup. Oui, pour Burry. Et j'ai dit quoi, Jody? Non, c'est dans le chat, ils ont dit zone four, vraiment. Ah, oui, oui, zone four Burry, ouais, excusez-moi. Ok, la Malévodou qui est posée. Oh, les dégâts par contre qui sont solides. Merci, Domakuro. Il a combien en Domak? 64. Il a un maxi BCF.
Ouais, 64. Et le SRAM. La bloqueuse qui Non, le pourra SRAM, pas c'est mort. venir trop bloquer, ouais, elle préfère venir tacler le peur. Est-ce que ça le Ouais, parce tacle qu'elle beaucoup? s'attaque le looper même Un peu. s'il est R. 75 de tac la bloqueuse, ça va, elle s'en Quand sort. même. Ça reste loin de la sacrifier et ses 150, mais bref. Alors par contre, il y a une surcharge qui part ce Ouais. tour, hein, sur l'érosion. Hein. Ah bah très clairement là, Le SRAM il avec a toutes les 34%, il a redondées. pas les résistances Ouh. R, 450 sur le drain. Ça va bien, en vrai. Ça passe... le SRAM a toujours 26% d'héros, hein, faut pas l'oublier aussi. Hein. Non, le peur joue On probablement pas n'oublie pas. courant. Attention, ouais, par contre. Passez pas vos tours, oui. Enfin, passez vos... enfin, passez pas avec des PA. Et voilà, la surcharge qui tombe. Ouh. Ah! Alors, je m'attendais à ce que les dégâts soient solides, mais 1700! Le C'est SRAM, il a solide. pris 1000 d'héros dans son tour, il a 800 HP. Il n'y a pas de soin dans son équipe. Bon, par contre, on peut parler des dégâts du. De la Malévo Doux sur le Yop. Je Oui, rappelle que c'est le pas Xal est mal. tank. Jhin ne tape pas. Après, attends, attends, c'est pas fini. Il y a toujours une synchro. Il y a toujours une sacrifiée. Le SRAM, Ouais, il va alors. récupérer sa brume. J'ai quelques doutes quant à la pose de la synchro maintenant tout de suite. Non, là, non, là, non, 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 c'est sûr. Mais elle reste. Par contre, le Yop, Même. comment il a pris cher sur ce tour? Il a 3 PA. Il y a 3 PA Et là, avec c'est là, l'idée, c'est il se vertu, barre. hein. Non, c'est vertu. Vertu, même pas vertu. Non, duel, Non, ok. Dieu. Par Il contre, ça te reproc coupe la une. Malévo. Et le SRAM qui a pris 32 d'aul. Bah ouais, le Schaffer fou lancé qui proc le Red PM. Et voilà, le retour de la brume. Par contre, c'est du coup, l'état d'invue passe bien avant le retrait PM du duel. Du coup, il n'a pas pris la Malévo. Feu sur le reste. Allez, la brume. Foudroiement de Grenoble. Où ça? Ah oui, Bah, là, effectivement, sur le père. il vient de foudroiement de Grenoble. Et c'est pas pour augmenter. Voilà, c'est. Oui, mais alors, soins reçus fois 125%, ouais, non, c'est pas utile sur soi-même, quoi. Non, bah, ouais, c'est. Je sais pas trop pourquoi. Ça réduit le soin. Ouais, mais le peur n'a pas Ah été non, tapé. non, non, foudroiement de Grenoble, ça réduit pas le soin, hein. C'est la variante, hein. Augmente... Ah non, ça augmente le soin reçu. C'est le son de Grunob qui baisse le soin appliqué. Oui. J'ai peur hein, d'un coup de dire une bêtise, mais Voilà, le normalement c'est Yop, il ça. est Hein. comme neuf, c'est bon. Ouais, c'est ça. Hein. En gros, ouais, foudroiement te pose un malus et te pose un bonus plutôt et le son te met un malus. Et c'est juste que du coup, la zone de foudroiement, c'est une zone de deux cases autour du lanceur. Et non, quoique non, attends, le sort a pris un peu de PO, non, je crois. Je sais plus. Et du coup, l'autre, par contre, c'est une fumée. C'est l'équivalent d'une fumée. Ok, donc on Oui, va mettre des je sais arbres tout plus. autour. On va mettre des arbres tout autour du SRAM pour que la gonflable puisse le recons. Yep. Parce Et que là, je il est dans suis la là. brume, mais en vrai, c'est ce que dit Kishido dans le chat, c'est qu'il y a l'empreinte potentiellement de l'upper pour venir trouver ce SRAM. Ça va être difficile de le cacher beaucoup. Hein. Voilà, comme ça vous serez moins gêné par l'overlay pour. Responsable des boards, c'est pas grave. Tac. Du coup, l'Inirepsa qui se fait aussi grignoter avec ses HP, hein, forcément, il est sous Malévodou et la Malévodou fait super mal. Allez hop, le Groot qui arrive. Bah ouais, le Groot, Et le SRAM qui c'est se quand fait même bien assez reconstruire. solide. Du coup, on l'a pas vu lancer son soin Sylvestre. Oh, 919! Ah, il a Oui, deux c'est. arbres au contact. Voilà, bah il a 2300 HP. Pas sûr pour Sur le l'empreinte, il a SRAM, non. consommé. Je sais. Non, il a fait un éther avant de surcharge. Il a fait un éther avant de surcharge. Ah non, non, c'est possible qu'il ait. Attends. Non, je suis en train de tilter parce qu'il a fait un tribut aussi. Non, non, il a bien refait un éther. On Ok. va voir. Je crois. On va voir. Ok, ouf. Bonjour. Il y a 5 runes du coup, 6. Il a déjà 6 runes sur le terrain. Donc au prochain tour, Ok, il la place de Pola, il Kiki. chope un éther. Ah, il Ouais, sait c'est déjà, bon, hein. c'est bon. Allez, hop, hein. Impeccable. Après, il savait qu'il était sur une case noire. Donc. Allez, la surcharge. Ah bah Il lui pour. reste Mais c'est. 485. Ça fera pas le kill, hein. Il a pas trop cobure, le père. Mais, Bah non, mais ouah, les coups de pression. le Xel va pas le soigner. Non, le Xel, il est sous duel, là, ça va être compliqué, hein. Ben, c'est ça, il va pas trop pouvoir le. Il peut Il bomif peut peut-être. pas aller chercher sa synchro, en plus. Non. Le Yop Est-ce est que le Yop pourra invulnérabilité faire le distance, kill? donc il prend 0 dégâts. De toute façon, Je dans le pense. Xel.
toute façon, le Gyal fait zéro dégâts. Hein. Le Yop, il a l'apprécié. Oui, non, mais il proc pas la Malé Vaudou non plus. C'est ça que je veux dire. Oui, le Yop prend pas de dégâts de la Malé Vaudou à cause du reste. Mais là, avec retour flou et tout, ça me paraît complexe en l'état. Hein. Là, il a 7 PA. Catch. 10 PA du coup avec le retour précis qui s'annule. Et il va chercher le SRAM tous les jours. C'est pas bon. Ah mais c'est pas grave. Tempête. Ok. Ok, voilà. Ah, c'est bon, ça fait le kill. Ah, il n'y a plus la brume, c'est bien ça. Ça tue la folle. Non, franchement, pas mal. Mais alors attention, parce qu'il là, il est très très proche de la sacrifier. Il y a toujours une synchro dans le game. Je pense pas que ce soit perdu pour autant pour From Zibis. Hein. Il y a toujours moyen peut-être. Ouais, ouais, il y a un move avec un Groot dans tous les cas. Mais en fait, non, le problème principal, c'est que le Sadi peut pas aller poser le Groot pour la sacrifier. La sacrifier a pas les PM. Donc s'il veut faire ça, je sais pas si la gonflable a donné les PM au tour précédent. S'il les a donné. Si, si, il les a donné. Juste... Il peut pas juste genre mettre une Libé ou un truc pour bouger le lien. Ben non, regarde, il est bloqué par ses deux arbres. Donc il faut qu'il clean ses arbres avant. C'est surtout pour ça que je sais. Mais la Libé change rien. La Libé le pousse de 4K, ça le met au cac de la Niripsa. Il n'y aura pas les PM quoi qu'il arrive. En fait, là actuellement, il lui faut un don de PM ou alors il faut essayer de poser un Groot. Et le Groot, le poser directement de l'autre côté de la sacrifiée pour qu'il puisse. Ok, ça passe sur le debuff. Ça va tremblement du coup? Tremblement, ça tire, ça suffit. Bah, il a pas trop le choix. Hein. Ah, ouais, ouais, ça bon, suffit. C'est bon. Le piège. Attends, le piège, non, c'est quoi? Qu'il a... Ah non, c'est le Xel qui s'est fait réattirer. Ok. Oui, le Xel, il y avait du coup, arbre. La surpuis. Est-ce que ça tue pour autant? J'en suis pas sûr. Hein. Ah, je pense pas qu'elle fasse 2160, mais il va être très très mal ce Yop. Ah oui, bah ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et Lenny vient de mettre son prêve, son mode prêve. Hein. Yep. Et l'upper vient d'emprunter en plus. Donc, ça veut dire qu'il peut pas faire des énormes dégâts pour contrebalancer. Par contre, ça veut dire qu'il a... Alors, j'ai pas vu. Dans le chat, vous pouvez me dire s'il joue avec création. J'ai pas fait attention, je dois, ouais. Et où? Ah, 1200. Ouais. Ouais, upper de pesanteur Xel, le problème, c'est qu'il peut pas. Parce qu'il joue avec propagation et pas avec piège élémentaire. Non, il peut. Donc là, bah ouais, il va falloir aller chercher la synchro. Mais oui, il a la traversée, mais ça suffira pas, je crois. Hein. La Mastral, ah, non, non, il n'aura pas les pierres. Ah, si, c'est bon, il joue avec Ouragan. Tout juste. Ok, merci dans le chat. Merci le chat. Ok, du coup, ça passe tout juste, effectivement, le kill. Bah là, ça va essayer de gratter. Alors, le problème, c'est que le Yop est plus au Malé Vaudou à cause du debuff de la Sadi. Bon, dans tous les cas, il avait plus le. Ça durait que deux tours, donc ça suffira pas. Donc là, ça va juste full ret, essayer de limiter au maximum les actions, mais le Yop aura toujours la blinde de PA, quoi qu'il arrive. Hein. Ça me paraît complexe. Non, mais l'upper solide là, avec le SRAM qui s'est fait choper dans la brume avec l'empreinte. Forcément. Bah, en vrai, l'empreinte, quand tu joues contre Sadi, t'as 15 000 arbres sur le terrain, plus des trucs pour mettre des, ah des runes. Mais surtout pour spot le SRAM dans la brume. Mmh. Surtout ça. Bah, aussi, oui. De toute façon, on n'aime pas la brume. La Vita. Non, je déconne, hein, c'est pas. On peut dire chier. Je pense que ça s'applique. Il joue propa, il peut pas pesanter. Ah. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a pas le piège élémentaire. La sentence. On n'oublie pas le petit effet très utile des arbres hein, qui font 24 de dégâts sur les autres arbres. C'est... Je pense que ça fait tout cet effet-là. Alors, le Galva qui revient. C'est pas mal. Ça permet de remettre un peu d'EPA sur cette équipe. Tranquillement, permettre de contrer un petit peu aussi le red PA du Xel. Bah, tranquillement redonner les buffs. Le Yop qui a remonté à 2800 HP, il est bien. Alors attention parce que... Ok, merci Viper. Du coup, Ghost a gagné le premier match de l'autre demi-finale. Donc ça veut dire la prochaine draft... Ils sont en train de faire la draft et on pourra... je pense que ce match-là va plus trop tarder. Donc on devra pouvoir switcher sur l'autre demi-finale pour après. Bah, on va voir. Là, attends, parce qu'il lance la draft. On n'est pas encore... C'est pas encore fini. Par contre, les mâles et vaudou, comment elles font mal. Le fléau. Mais même les fléaux, hein. Même les fléaux, hein. Ça fait extrêmement mal. Waouh, le 500 sur Lenny. Tu vois, il a 1300. Par contre, oui, exactement, Kishido, totalement raison. Sur ce tour, la surcharge, elle va être salée. Il y a pas mal d'arbres qui sont infectés. Et infectés, n'importe quoi. Élémentalisés, on va dire. C'est la contre-infection. Tu combats l'infection par l'infection. Ouais, alors c'est la contre-forêt, on va dire. Non, je. On va voir. Il va mettre une grosse surcharge. C'est tout ce qu'on va voir. Le garde forestier contre le bûcheron. Est-ce qu'il peut arriver à 2000?
Il a fait 1700, je crois, sa plus grosse sur le SRAM. Ouais, ouais. Ouh, la propagation, l'empreinte. Il a 1, 2, 3, 4, 5 runes. Tac, ouragan, direct. Il a un drain élémentaire. Il peut faire création et il peut terminer sur une surcharge. C'est trop. Attends, je regarde juste le Sadi où il en est au niveau de son ivoire. Deux attaques, ok. Ouais, donc si, j'ai vu ça. Quand tu te prends cette, attaque, de toute façon, il y a des ivoires. Oh, 1000. Ah, c'est dommage, le 2000. Presque, mais ah, c'est 156. Comment ça, c'est fini pour la team Abyss? Non, bah, je pense pas qu'il puisse revenir. Là, non, non, le pro... Ah oui, bah là... Avec un Sadi comme ça, ouais, ça me paraît complexe. La synchro, elle est pas encore assez chargée. Le rollback, il part. Ça va essayer de faire péter la synchro, quand même. Hop, on a le Yop qui se ramène. On a la Gélure frappe. Ça fait la synchro. Gélure frappe. Assez de dégâts. Ah, ah attends, avec la magie de vous, il reste 4 PA. Attends. Deuxième ralento, sablier du Xelor. 168 PV, en vrai. 2 PA. Ça fait le kill avec la flamiche, c'est beau. Et il a quand même c'est un peu beau. De dégâts. Un peu, ouais, 33. 33, c'est la flamme. Là, par contre, faut absolument que les Niripsai reviennent en HP. Hein. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Parce que le Sadi, il plaisante pas. Hein. Ah, non, mais, Sadi, mais là, en vrai, est-ce que tu peux pas tuer le Sadi avec Lenny? Non, non, ça me paraît complexe. Ça me paraît complexe. Mais tu t'avances d'une case, tu es impartial. Comme ça, tu prends le soin directement. Le silence qui part. Ah, et silence fracas. Ok, la totale. Moins 5. Ouais. Ouais, il joue peu, mais il retrouve ses racines des Niripsai quand même. On n'oublie pas, tu vois, c'est les réflexes. C'est les réflexes qui chopent les racines. Ouais, ouais, c'est ça, il a juste des dégâts terre avec ses dos, quoi. Ah, mais la Mali, elle a fait ultra mal. Bah, forcément, quand t'es boosté avec 75 de dommages, tu m'étonnes que la Mali fasse mal. On a que 6 PA sur le. Ça donne mal au crâne. Hop, bah, je vais vous préparer pour la prochaine draft. Pas fini. Mais ça va être compliqué, ouais. Tac, les petits Groot. Allez hop, le soin qui va partir. La transformation, c'est pour ça aussi que l'arbre feuillu est très fort. T'as tendance à coller ton Groot direct. Et blam, le full soin. Le Sadi qui remonte à 2500 HP. Là, ça me paraît complexe, mais en même temps, Lenny et le Purse peuvent tomber assez vite, hein, vu les dégâts du Sadi hein, depuis tout à l'heure. On sait que le Xelor il colle des sales claques. On a un état air sur l'arbre, il me semble. Hein, sur cet arbre-là, si je fais pas de bêtises. On doit avoir une Pola qui doit pouvoir se gratter dessus. Voilà. On peut aller chercher le Sadida quand même. Je sais pas du coup s'il joue avec... Il y a la propa qui part. Là, l'objectif, c'est juste de préparer un prochain tour hein, et d'essayer de faire le maximum de dégâts. L'éther. Même préparer terminer. Un prochain tour, okay. La portée de kill de Lenny. Le 2 fonctionne, mais avec le Xel qui joue juste après, je pense que Lenny Ripsa va prendre tarif en termes de PA. Ouais, il n'a pas Jouvence ou quoi Lenny. C'est largement possible qu'il joue pas avec Jouvence, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va reculer Sadi pour pas que Lenny puisse. Ok, directement la momie, ils font chope l'état TF, on a Lenny Ripsa qui va prendre Sheros en même temps. Hop. Lenny est toujours sous Malévodou. Ouais. Oh, les gars qui prend encore une fois. Ouais, il a pris son moins 4. Et là le Sadi a une ligne de vue, hein. Enfin il y a une ligne de vue je pense. Hein. Assez accessible on va dire. Oui de Lenny. Mais est-ce que Lenny du coup... Parce que là, je pense pas qu'il fasse le kill vu comme il est avec... Non, pas avec les PB, pas avec les PB que t'as acheté. Mais là, ce tour-là, tu te contentes juste de soigner un petit peu. Hein. Il a dû récupérer son prêt. Donc, il l'a gonflable pour être plus tranquille. Ah bah, tu vois, il joue Jouvence. C'est juste qu'il Jouvence pas ses allées. Ok, ça marche. 3 PA. Il a passé avec 3 PA, malheureusement. On n'avait pas la ligne de vue pour alternatif sur le peur, dans tous les cas. Ça va remettre une gonflable. Bah forcément, il a pas le choix en fait pour son soin. Là, il peut limite rajouter un dernier arbre. Et la folle en plus de ça. Ils savent que de toute manière, en temporisation, ils peuvent réussir à tenter un vol de kill. Mais j'ai envie de dire, tant que t'as pas le... Alors, et l'altruisme végétal surtout. Mais tant que t'as pas de... Comment ça s'appelle? Merde, je cherche le terme. Donc t'as pas de sacrifié, ça me paraîtra complexe pour essayer de voler le kill. Hein. Lenny Ripsa, il va juste se soigner à chaque fois des dégâts posés par la mêlée. Là, c'est vraiment pour temporiser. Et d'accord que le peur, il a tout intérêt à taper la folle avec l'harmonie. Elle a que 15%. Ah oui, bah, totalement, totalement. Tu peux même pousser en allant chercher... Ah non, non, c'est vrai que toutes les poupées Sadi ont des résistances R.
Ah, le plus 1000. Ah bah oui, bah forcément, la gonflable avec 3 arbres, c'est assez stupide, quoi. Xel peut empêcher le soin de Lenny avec du placement. Il peut empêcher le soin de Lenny sur le peur, mais pas l'auto-soin de Lenny Ripsa. Et c'est Lenny Ripsa qui est le plus low life actuellement. Et dans tous les cas, le peur peut s'auto-soigner. Alors, il n'a pas la contrib, mais il a toujours la régène d'ouragan. Et tant qu'il n'y a pas de malais vaudou qui est posé, de toute manière, ça change pas à ce niveau-là, quoi. Il a fait des protections. Ok, il va faire plein de runes, non? Il prépare plein de runes. Bah, en fait, okay, de toute manière, le Sadi va pas s'amuser de toute manière à essayer de claquer la, à essayer de supprimer ses arbres. Il va pas bouger en fait. Donc t'as pas de raison de pas profiter des états élémentaires qui sont déjà posés. Oh, bon. Alors la synchro, okay, qui revient. Le retour de la synchro. Hop, ça va juste essayer de gratter un peu de retrait. Allez hop, directement. Le sablier plus synchro. Plus ralento. On a moins 4 qui part sur le... non, moins 2 seulement sur le pair. J'ai dit une bêtise. Il avait déjà pris du ret. Ah, il a la folle. Plus. Ah, c'est juste qu'il a perdu le galva en même temps. Du coup, côté Eniripsa, on a 10 PA. On peut juste décider, voilà, de... Bah ouais, on a une zone impartiale qui est complètement gratos, hein. Et sur Pi, elle a moins 10% feu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est pas dire qu'il va pas la taper, mais avec l'effet de l'impartial, c'est con de passer à côté. Clairement, là, il a bien pris la... Il a bien fait 3 maisons. C'était gratos. Allez, le petit don de PM qui part. 8 PA, 8 PM sur stopper. Et le petit Solida en plus. Allez, hop, c'est gratos. On équilibre un petit peu les HP. Et du coup, bah là, ça va être tranquille. Ça va turn Xel. C'est possible, hein. C'est largement possible. Xel, il risque de prendre cher. Bah. Ils PV, ils vont pas le one turn. Non, non, pas one turn, ils vont turn, ils vont passer sur le Xel. Ah oui, j'avais entendu, ça va one turn. Non. Quand même. Ça va juste passer sur le Xel parce que le Sadi est un peu inaccessible. En tous les cas. Ils savent que de toute manière, ils peuvent mettre une solide pression dès que le Sadi aura perdu son harmonie. Ah, et le Groot est complètement gratos à ce stade. Ça va turn over, ouais. Ok, il clean quand même les arbres à son contact, mais il repose un arbre quand même. Forcément, pour maximiser le soin. Et c'est aussi pour donner de la vita aux poupées. Oui, bah oui, c'est normal avec l'altruisme végétal. Ouais, il peut la debuff ce tour, mais vu l'endroit où il est, je suis pas sûr que ce soit réellement intéressant. Quoique, il a pas pris le ret. Ça va lui coûter cher de le faire. Hein. Ça va lui coûter cher. La gonflable, elle a un état élémentaire R, hein, je crois. Ah non, même pas, même pas. Il faudrait qu'il ouragan Pola pour réussir à passer de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Donc, il aura plus de PA après pour faire son combo, il en a que 9. Donc, J'ai dit, mais plein de runes, fais-toi plaisir, vas-y, fais une grosse surcharge. Bah, en vrai, tu pars sur le Xel à ce stade. Hein. Non, quoi. Il va quand même aller sur la folle. Bah, en vrai, s'il peut clean toutes les poupées en même temps, c'est bénef. Quoi. Mais je pense que là, elles vont vite des pop. Hein. Dans tous les cas, faut qu'il claque la surcharge ce tour. Hein. C'est con de pas en profiter. C'est bon. Allez hop, bah, c'est pas mal. Pas mal, hein. C'est pas mal du tout. La surpuissante est morte, la bloqueuse est morte. Non, la surpuissante a réussi à survivre. Le peur, il est en solo chaleuil, exactement. Il a posé l'état sur les dés. Non, mais sinon, la folle reste encore en vie. Là, il y a un tour full red qui va partir sur le peur avec l'horloge, je pense. La surpuie, il reste 42 HP. Et le Sadi, bah, encore repris des dégâts. Il va pas pouvoir Groot ce tour, hein, c'est tous les deux tours seulement. Il n'a pas la relance de la gonflable, donc niveau soin, bah là, il doit lui rester altruisme végétal, dont nat, potentiellement. Donc ça risque d'être un petit peu limité quand même. Donc ça veut dire que si l'équipe décide de reprendre le focus sur le Sadi, il risque de prendre assez cher. Du côté de Lenny, du coup, bon, bah il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part clean les poupées, en vrai. Hein. Tu claques un sale impartial sur la surpuis pour essayer de maximiser les dégâts. Et sur la folle pour le soin, ça marche aussi. Ouais, non, parce que la folle, faut la tuer comme ça, le Sadi a pas du tout d'infecté. Oui, non, mais totalement. Bah, c'est une classe qui a des grosses capacités de temporisation, oui, quand tu peux l'optimiser, forcément, c'est super fort. Mais c'est comme le FK, hein. Le FK, il a des capacités de temporisation qui sont parfois encore meilleures et on est moins en train de se plaindre. En fait, toutes les classes sont quand même des classes. Ouais. Genre Forge Lance, c'est une classe aussi. Ouais. C'est incroyable, on dirait pas comme ça. Du coup, le Sadi 2700 PV. Kras, c'est pas une classe. Si, c'est une classe du mode spectateur, c'est tout. Heliotrope est quand même une classe. Non, Helios, c'est pas une classe. L'Helios, c'est un compagnon qui double tes dégâts. C'est tout.
Ça fait du placement. Les classes sont bien. Ah, c'est bon. Ça replace... Attention, ça replace la malédiction vaudou. Ça veut dire qu'on a un Xel qui peut refaire un kill. Ouais, on a surtout un upper qui peut juste aller claquer des dégâts. Ah, on retourne la compa. L'empreinte. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 937. Non, il a plus de dégâts. Ah, il a un PA, ça va. Le Xel, il va falloir qu'il vire l'Enyrypsa parce que là, l'Enyrypsa. Alors, non. En fait, faut qu'il vire l'Enyrypsa. Il faut qu'il faut vraiment bon, qu'il fasse 0 dégâts, ça c'est normal. Mais du coup, il y aura quand même le proc tacheté. Donc, l'Enyrypsa pourra pas faire grand chose, je pense. Hein. Ah, c'est broken. Lâche cette percute, Twips, s'il te plaît. Tac, 9 PA, le cadran qui va partir, on va faire un petit tour tranquillou mimilou. Hop. On va faire quoi? Un tour tranquillou mimilou. Tranquillou mimilou, d'accord. Mm-hmm. Là, c'est le chien d'Astérix. Putain, waouh, de Tintin. Désolé, c'est alors, pas facile, 9, ok. 9 PA sur les nids, on n'a pas la ligne de vue sur le CDM. Non, mais on va pouvoir mode frayeur into... Mode frayeur, il y a le cadran derrière. Non, mais mot secret into mode frayeur. Il avait pas beaucoup de PA. Je m'étais compris tout seul, si tu veux. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il met pas de pression sur le Sadi, quoi. Ouais, mais au moins, il se détacle, il s'en va. Ouais, mais après, se détacler, le Xelor, il va pouvoir le choper tous les tours, tu vois. Ouais, mais comme ça, il s'éloigne de la zone synchro, tu vois. Alors, pour la synchro, je peux comprendre, effectivement, mais pour le reste... Ça suffit, je vous dis, ça suffit. Ok, on replace la folle, on doit replacer le gonflable aussi. S'il se soigne pas... Il n'a pas la relance, je crois. Je crois qu'il a prochain tour. Ah, coup dur. Est-ce qu'il va survivre du coup? Parce que là... Oui, c'est le principe de la surcharge, quand même. Ah, il joue rempotage. Ça fait 10 tours qu'il fait rempotage, t'as pas suivi? Non, j'ai pas fait. Non, c'est vrai que c'était dans la brume. C'est dans la brume. Ah oui, il a fait. Oui, voilà, ok, d'accord. Bah, il a free game, bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas, peut-être le fait qu'il y ait 8 arbres sur le terrain et environ 36 000 invocations tous les tours, ça aide un petit peu si tu vas poser des runes. Ah, mais le moins forcément. Ouais, ouais, parce que du coup, le peur, il peut pas faire grand chose ce tour. On récupère la propa, la polarité directement, on va aller clean. La synchro, ok. Il la clean pas, non? Ici, la clean, j'ai rien dit. J'avoir rien dit. Le tribut au passage pour gratter un PA pour le prochain tour. Et la petite flamiche. Et tu t'approches du Sadi au maximum en vrai. Hein. Ouais, je suis pas. Tu fais un... Bah, si, parce que comme ça, tu fais en sorte que ce soit le Xel qui ait besoin de te déplacer de là pour que le Sadi meure pas, quoi. Tu vois, il s'est approché du Sadi, il t'a pas écouté. Si, c'est ce que j'ai dit. Donc il se rapproche du Sadi, justement. J'ai compris, faut qu'il s'éloigne du Sadi. Non, mais. Ah, non. Non, mais c'est tard, tu vois, c'est 21h. Donc... Je peux venir réveiller. Du coup, 8 PA sur Stopper, 7 PA du coup avec le retour du cadran. Alors, il avait pris moins 2 de la folle, il va pas aller reprendre ce tour, donc en réalité, il en a 9. 11 avec le Galva. Ah, mais là, il y a le retour du Galva, ça va être compliqué hein, parce que le retrait va faire beaucoup moins mal. Le retrait va faire beaucoup moins mal. Effectivement, en vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu t'avances et tu claques un fracas? Le fracas est gratos sur le Xel. Non, la folle, ok, d'accord. Tu clean la. Ça passe la folle. Donc, il se décale encore d'une case pour être hors de portée du. Non, dans tous les cas, il va prendre le raid de la folle. J'avais rien dit. Mais le peur est toujours infecté du poison proxy, quoi qu'il arrive. Hein. Donc avec ou sans folle. Aketix, c'était un dessin animé quand on était gamin, ça, non, Sedax? Ouh, le fléau. Porte bien son nom, c'est ce sort. Hein. Ah, la ronde insolente. Ça enlève le... On verrait Galva. Galva, ouais. Et la gonflable aussi d'ailleurs. Et le retour de la gonflable. Et l'altruisme végétal. Et vas-y que je finis au cac de l'arbre. Il n'y avait plus de... Non, il n'y avait pas besoin de bouger. Allez hop, plus 600 de soins. 507. C'est vrai qu'il se fait aéronate, hein, le Sadir. Ah bah tu m'étonnes vu les tartines qu'il prend depuis tout à l'heure. C'est un buffet à volonté le truc. Tactique, c'est aussi une application pour les jeunes là où il y a des petites vidéos courtes. Alors non, c'est autre chose ça. C'est pas ça?
Ok, la propa, l'empreinte. Ah, oh, le nombre de runes. La polaque gratos. Oh. Ouragan. Et drain. Ah non, le Dofawa. Le 1 HP. Le Dofawa de la gonflable. Ah, ça c'est triste, il en reste un PA. Il peut pas tribu, il a déjà tribu tour précédent. Mais du coup, ça veut dire qu'il a un sacré paquet de runes pour le tour prochain. Donc il va pouvoir récupérer. En fait, l'objectif c'est de pouvoir claquer 2 surcharges d'un coup. Quoi. Bah, moi, je vois 11 c'est runes. Normal le. Hein? Moi je 3, vois 11 4, runes. 5, 6, 7, 8. 1 9. 9. Il y en a une sous la cahuète. Ah oui, 10 effectivement et 11 que j'avais pas vu à côté de la gonflable. Ça fait des runes. Alors, 8 PA sur le. Sur les nids. Pardon, 7 PA. Ok, il a écrit la gonflable hein, dans tous les cas. Je pense qu'un PV, il y arrive. Il joue avec provocation, il peut provoquer sur le cadran, non? Oui, normalement. Je sais pas s'il a tiré. Ouais, voilà. 4 PA restants. Alors. Pour tuer la folle, ça ira. Mais j'ai l'impression, qu'il joue, j'ai l'impression qu'il a pas mot secret, en fait, depuis le début du combat. Dans tous les cas. La miche. Après, remarque, je... en vrai, le Sadi est full vie, donc la gonflable aurait servi à rien. Je suis pas sûr que c'était. Non, mais dans tous les cas, c'est important pour le tour de surcharge après, surtout. Ouais. C'est, non, là, ils ont besoin de faire en sorte que le Sadi ne puisse pas se régène entre deux surcharges. Surtout ça, en fait, qui est super important. Allez, le fléau. Ça va, les clés du lapin au fond de map. Bon, bah après, Lenny pourra le remettre. Mais surtout. Dans 3 tours. Ouh, la Malé Vaudou, 1800 dégâts, 1800 HP sur Seigneur Ipsa, pas serein. Mais... non mais il est sur mode prêve. Hein. De quoi Lenny? Dans tous les cas, il peut pas jouer tout de suite. Il y a un Xel mais c'est pas le Xel qui va le tuer de toute façon. En fait, il y a tué le Yop. Moi, c'est totalement le Xel auquel je pensais. Il y a la synchro et la Malé Vaudou. Il prend 3 procs Malé Vaudou, Lenny, il prend déjà 700 quasiment. C'est vrai, on va voir ce que va faire le. Synchro est vite arrivé, hein. On va voir ce qu'il va faire le peur. Le Xe, il a 15 PA. Là, le peur, il a aucune pola qui soit gratos. Il est obligé de manif pour essayer de s'avancer sur le Zali. Donc ça reste assez limité. Cette PA, non, ça va quand même aller focus. Hein. Hésite. Ok, le drain LM, l'ouragan et la surcharge. Oui, 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 oui. 2300 Si le Xel tue pas, c'est la fin. Ah bah là, si le Xel tue pas, ouais, c'est la fin. Mais, je suis quasiment sûr que même s'il tue, c'est possible que ce soit la fin. Je vois pas le Sadi avoir beaucoup de cooldown. Ah, il y a peut-être la relance de l'harmonie. Ouais, tu vois. Hein. Avec la Malé Vaudou, ça passe, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Attends, il y a un Ivoire. Non, ça suffira pas quoi qu'il arrive. Il y a 2 proc Malé Vaudou qui restent. 117. Attends. Il peut flou, non? Ouais, il va flou, il va flou. Non, il reste. Attends, la folle, elle a mis un proc Malé Vaudou ou pas? Ouais, non, c'est bon, il y a le flou, ouais, c'est bon. Ouf. C'est bon, c'est bon. Non, non, la folle avait pas pris de proc. Ouais, c'est ça. Par contre, le peur, 8 PA, le Sadi, 400 PV. Le peur, il perd un. Non, ok. Il a son Groot, ok, on remet une folle. Il a la folle, il a le Groot, il doit avoir l'harmonie, je pense. Il est de retour. Ah aussi l'harmonie. Tu vois, c'est vrai. Il multiplie les invos, il y a une harmonie qui part. Zelret à Hermine, double kill, c'est golem. Effectivement. Franchement. Voilà, vois, ça c'est le bon gros tour des familles. Là en plus de ça, on va avoir un. Bah du coup non, le gros ne peut pas faire grand. Ah si voilà, ok d'accord. Il peut soigner. Avec l'harmonie en plus. Et là le peur peut plus rien faire. Il y a bloqueuse de surcharge. En fait, un truc à prendre en compte aussi au match-up Sadi, c'est que quand tu transformes un arbre en poupée, tu perds l'état élémentaire. Hein. Donc ça veut dire que là, si le peur il veut pouvoir refaire une grosse surcharge, il faut qu'il repose l'état sur les poupées. Et là, en l'état, bah, il les a pas quoi. Enfin, les états, il les a pas. Donc. Et tu vois, finalement, la Sadi Xelor Sram, tu vois, une fois que t'enlèves le Sram, ça va. J'ai From the Abyss, vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois pas les aider un peu là? Fini ton match toi! Ah bah non. Non, dans tous les cas c'était le Sram de Zephing. Ok, ça va poser des dégâts.
Ok, le debuff qui va partir, ouais, ça prépare le prochain tour. Ah, clairement, ouais. En fait, j'ai fini avec le Golden Kill. C'était 13. Ah non, c'était 16, c'est vrai. En vrai, attends, oui. Il y a le Golden Kill ou pas? Viper? Je sais pas. C'est là. Viper, je sais pas si t'es dans le chat. Et normalement, avec le Golden Kill, ouais. Ouais, ok, d'accord, c'est vrai. Bon. Bah, normalement, FTA a gagné, en tout cas. Oui, il joue Poison Proxy, ouais. Et là, le peur a pas les PA pour poser la surcharge. Ah, il est trop loin pour surcharge. Ah, quoi que non, bah non, le Sadi perd l'harmonie autour de la peur. Il a pas de gonflable en plus. 1600. Est-ce que le peur va faire le kill? Bon, on sait que le match est terminé, mais juste pour faire. Normalement, il y a le Golden Kill. Mais s'il refait le kill, en vrai, ça va, c'est beau jeu. Oh, le boomerang. Ah mais c'est Boomerang et Diamantine, ça soigne pas. Mais la maladresse d'arme, c'est vraiment claquer les cooldowns quoi, mais bon bref. Le peur du coup qui va récupérer, alors je sais pas s'il a un abyssal PA ou PM actuellement. J'arrive pas à voir. Il a un abyssal PA, ok, donc il a réellement cette PA. Je te rappelle qu'il est en retour flou d'ailleurs actuellement, avec ses 7 PA. Ouais. Traverser, aller sur le Sadi, mais avec toutes les poupées. Ah, mais il n'y a plus l'harmonie. Non, mais il n'y a plus l'harmonie. Il n'y a plus l'harmonie. Là, il faut juste qu'il surcharge. Dommage. Ah, ça fait pas le kill. Dommage, dommage, dommage. Il n'y avait pas assez d'états élémentaires de poser, donc forcément, un peu complexe. Le Uzel qui va essayer de prendre les 3 kills avec son mode tank retrait là. Ici, il y en a un Chachouni justement. Ici, Chachouni, je crois qu'il y a. Je sais pas si les joueurs sont au courant. Mais je crois qu'ils sont pas au courant. Je sais pas s'il a la relance gonflable, Sadi. Je sais pas s'il a les invos parce qu'il en a quand même 5 sur le terrain là. Ouais, mais le mode O a pas mal d'invos de base. Moyen de claquer des plus 6 invos des fois sur mode haut, oh, donc il y a Asu qui dit il y a Golden Kill, donc bah ouais, forcément, ouais. Non, attends, t'as compté fois combien de tours? Non, il en a mis que du coup 17 x 3, oh là j'ai du mal, 16 x 3 plutôt, parce qu'il y a un tour où il a fait des dégâts avec Flamish. Donc sa proc sont achetés d'ailleurs. De quoi? 48. Oui, 4800 pb. Ok, minimo à tout qui descend à 1500 pv. Il veut faire le kill sur le Sadi, il s'en fout s'il y a le golden kill, il veut faire son kill. Et là il a le retour de l'empreinte. Il a que 7 PA dans tous les cas. 6 PA d'ailleurs, parce qu'il perd son abyssal PA. Là. Je sais pas s'il doit pas avoir la kawatt en plus, mais il peut peut-être ouragan. Enfin, empreinte ouragan. Ah. Ça passe quand même. Ça fait le kill. Ah, bah ça fait du ménage. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas vu le message dans le chat. Effectivement. Oh, je pense surtout qu'il voulait tuer le. Je pense surtout qu'il voulait tuer. Pourquoi il a fait 4 dégâts le Xel là? Pourquoi il fait des dégâts maintenant? Il est au cac? Non? Il a quoi comme bouclier? Bah non, justement, il a un bouclier malus de dégâts cac en plus. Ah non, ouais. J'en sais rien. Ah, c'est bon, ça abandonne. Et c'est la fin du match. Alors, on va voir les stats quand même, les dommages de le. Oh. Aïe! Oh là là là!